Bonjour, mon nom est Yves Downing, je suis artiste peintre depuis plus d'une cinquantaine d'années. Natif de Montréal et maintenant résident de Saint-Pamphile, plus précisément sur le bord de la Grande Rivière Noire, dans un endroit qui est très inspirant pour moi. Ma passion pour la peinture date d'il y a environ une soixantaine d'années. J'ai été accidentellement, je pense, amené vers la peinture suite à un cadeau d'anniversaire que j'ai reçu d'une de mes tantes qui enseignait aux Beaux-Arts à cette époque-là. Elle m'avait acheté un kit de peinture par numéro pour mon cadeau d'anniversaire. Puis, j'ai commencé à faire ça. Puis, je regardais l'image. Puis, je regardais ce que je faisais sur mon tableau. Ça ne ressemble pas. C'est pas ça. Là, un moment donné, je me suis tanné. J'ai tout ouvert les petits pots de peinture, ce que je ne devais pas faire. Puis, j'ai reproduit ce qu'il y avait sa photo de la boîte. Fait que c'est resté de même. Une couple de semaines plus tard, ma tante est venue faire un tour à la maison. Elle m'a dit, « Pis, t'as-tu fait ta peinture que je t'ai offert? » J'ai dit, « Ben oui, tu veux-tu avoir? » Fait que là, je montre ça. Elle dit, « Ben voyons donc. » Elle dit, « C'est plus beau que la photo qu'il y a sur la boîte. » Fait qu'elle dit, « Je vais t'emmener quelque part. » OK? Fait que là, je suis parti avec elle. Dans ce temps-là, il y avait encore les tramways à Montréal sur la rue Saint-Denis. On a pris le tramway jusqu'à la rue Sainte-Catherine. Elle enseignait aux Beaux-Arts. Puis elle m'a emmené dans une boutique. Pour moi, c'était un magasin de peinture, rien d'autre. Et il y avait un artiste qui est très connu, qui a été très connu, qui s'appelait Garreau. Elle lui a montré ma peinture. Puis M. Garreau, qui était, pour moi, il était très âgé à cette époque-là déjà. Il devait avoir à peu près mon âge aujourd'hui. Il m'a dit, « Viens avec moi, mon garçon, tu as du talent. » Fait que là, il m'a ramassé des pinceaux, des tubes de peinture, 4 ou 5 toiles, je ne me rappelle plus. Et il m'a dit, « Regarde, tu vas t'en aller chez vous, là. Tu vas faire de la peinture. » Puis il dit, « Quand tu seras toute faite, tu viendras me montrer ce que tu as fait. » Ouais, mais qu'est-ce que je vais peindre? » Il dit, « Ouvre tes yeux. Regarde ce que tu vois autour de toi. Tu vois un arbre, fais un arbre. Tu vois une auto, fais une auto. » Puis c'est comme ça que j'ai commencé. On est allé, par la suite, comme un mois et demi plus tard, rencontrer M. Garreau avec ma tante. Je lui ai montré mes peintures. Puis M. Garreau m'a invité à aller le trouver le samedi dans son atelier. Il y avait une boutique, mais il y avait son atelier de peintre à l'arrière de la boutique. Fait que tous les samedis, moi, je prenais le métro tout seul, un petit gars de 8 ans, puis je m'en allais chez Garreau. Peindre avec lui, puis je l'aidais à servir les clients, placer du stock. C'est comme ça que je pense. Ça a été, en tout cas, la première période de ma vie où l'art me parlait, me disait quelque chose. Quand est venu le temps de faire mon université, j'aurais aimé faire les Beaux-Arts. Mes parents s'y étaient objectés, alors j'ai étudié en génie dans l'Utah, aux États-Unis, dans une matière ou une carrière, je devrais dire, qui était à ses tout débuts. Je me suis spécialisé en génie, en contrôle de pollution atmosphérique. Alors qu'on n'en parlait pas du tout à ce moment-là. C'était vraiment les origines de l'intérêt pour essayer d'améliorer les conditions planétaires. C'était un mariage des deux. C'était très difficile de vivre juste la peinture, hein, avec une famille, des enfants, payer leur éducation, tout ça. J'ai profité largement de mon travail au niveau du génie. Ça m'a amené partout à travers le monde. J'ai visité 4 des 5 continents. Donc, au niveau culturel, ça m'a apporté beaucoup. Mais je n'ai jamais arrêté de peindre pour autant. Je peignais à tous les fois où j'avais une occasion, où je faisais des croquis quand je voyageais. J'avais toujours des pinceaux, ou de la gouache ou de l'aquarelle avec moi. Puis par la suite, début des années 2000, j'ai décidé de me lancer à temps plein dans,
dans ce que j'aimais, dans ce que je voulais faire, dans la peinture. J'ai ouvert mon premier atelier à Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides. J'ai eu mon école, j'ai enseigné pendant plusieurs années, puis par la suite, on a décidé d'aller s'établir dans la région de Charlevoix, qui est une région qui est très propice aux arts visuels, dans la peinture, entre autres. Entre Baie-Saint-Paul et la Malbaie, à l'époque, on était plus de 30 artistes qui avaient pignon sur rue, qui étaient ouverts au public. Il y avait même une route qui s'appelait la route des arts, là, où on invitait les gens à visiter les ateliers de peintres. Ça, c'est ma façon de travailler. Je travaille à partir de mes propres croquis. Donc, je trouve un endroit qui me plaît. Je fais un croquis, puis après ça, dans l'atelier, bien, je vais travailler. Ça, c'est récent, tous ces croquis-là. Il m'arrive parfois de sortir un croquis qui peut avoir 15-20 ans, puis je travaille sur ce tableau-là. Justement, sur le tableau, je l'ai fait récemment. Bien, là, présentement, moi, je travaille beaucoup au couteau, à la spatule, comme les gens appellent. Le vrai terme, c'est le couteau. Ça apporte une dimension qui est magique dans une toile. L'effet d'épaisseur, les coups de couteau que tu vois, tandis que les coups de pinceau, tu les remarques moins. Si on regarde le tableau qui est ici, c'est exactement la scène qu'il y a devant nous. Au printemps, tout début du printemps, quand la rivière commence à ouvrir. Alors, on voit les coups de couteau. Tandis que si on regarde le tableau ici, bien, lui, il est fait au pinceau. Ça, c'est fait au couteau aussi. On regarde le feuillage. Le feuillage, tu es capable, quand tu travailles au couteau, mettre plusieurs couleurs en même temps sur ton couteau, puis venir mêler là, ces couleurs-là de façon beaucoup plus naturelle, c'est beaucoup plus fluide que pour moi, que pour le pinceau. Pour d'autres artistes, c'est le pinceau qui prime. Moi, j'ai fait un peu ma marque en produisant beaucoup de tableaux au couteau. Donc, c'est ça. En gros, c'est ça. Puis, quand je fais un croquis sur une toile, ben regarde, on voit la rivière ici avec la forêt, tout ça. Moi, c'est quelques coups de crayon là, pour me donner juste une idée d'où je m'en vais. Puis, c'est comme... Ça donne rien quand tu fais... quand tu couvres une toile de peinture d'avoir des super beaux croquis parce que tu vas tout cacher ton beau croquis. Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides, j'ai eu mon école, j'ai enseigné pendant plusieurs années. Puis par la suite, on a décidé d'aller s'établir dans la région de Charlevoix. On avait une opportunité pour un atelier-galerie qui était intéressante. Et on est allé s'établir à Saint-Irénée, dans Charlevoix. J'ai eu mon atelier, ma galerie, là-bas pendant une dizaine d'années. À la même période, à la même époque, j'étais en galerie un peu partout au Canada, jusqu'en Colombie-Britannique, sur l'île de Vancouver, en Alberta, en Ontario. Trois galeries dans la région de Charlevoix. Suffisamment de peinture pour bien vivre, strictement de mon art, jusqu'à un moment où il y a eu un scandale au niveau des arts. Et le marché de l'art a pris toute une dégringolade. J'ai exposé en fait à quelques reprises à New York. C'est un excellent marché pour l'art, New York. J'avais des projets pour Miami, pour San Francisco. Malheureusement, la santé a fait défaut à un moment donné, mais j'ai dû mettre tous ces projets-là de côté. Je faisais beaucoup de tableaux circulaires, puis je suis venu à deux cheveux d'avoir un contrat pour 80 tableaux circulaires pour faire des dessus de table dans un café à San Francisco. Mais je n'ai pas réussi à répondre à la demande parce que le temps d'exécution qui m'allouait était beaucoup trop court pour faire une production semblable.
Mais le marché extérieur, j'ai des tableaux là, partout dans le monde, hein. Autant en Europe qu'en Amérique du Sud, en Asie, j'ai des tableaux jusqu'en Inde que des gens ont acquis ici, dans la région de Charlevoix, là, quand j'étais là. La région de Charlevoix était une région, surtout à la période automnale, les couleurs sont magnifiques, puis il y a des gens de partout dans le monde qui vont dans cette région-là pour voir les couleurs, puis ils aiment ramener des souvenirs. Donc, une œuvre d'art, c'est un souvenir qui va être impérissable, qui va durer durant toute une vie, puis qui va pouvoir être transféré aussi dans la vie des successeurs, de la succession. À un moment donné, on a trouvé cette maison-là ici, qui était sur le bord de l'eau. C'était pour moi, c'était très important d'être près de l'eau. J'ai grandi sur le bord de l'eau, donc l'eau est toujours. D'ailleurs, on le voit dans mes tableaux, hein, l'eau est très, très souvent présente dans mes tableaux. C'est un élément important de mes œuvres d'art. Puis on est venu s'installer ici, là, sans trop savoir si on allait rester, si on allait s'y plaire, si. Et voilà, on est ici quand même depuis 3 ans maintenant, puis on adore la région, on est à proximité de tout. J'aime beaucoup aller peindre, moi, en Gaspésie. On peut penser d'y aller, passer 2, 3 jours là-bas, mais on revient. Mes tableaux, pour moi, c'est des coups de cœur. C'est à partir du moment où je mets ma signature, j'appose ma signature sur un tableau, c'est un coup de cœur. Il y a un tableau que j'ai fait après mon AVC, quand j'ai recommencé à peindre, qui représente ma conjointe et moi. Ça fait 50 ans qu'on vit ensemble. Et grâce à elle, ben, j'ai remonté à côte, j'ai recommencé à peindre. Elle croit en moi, elle croit en ce que je fais. On a fait beaucoup de sacrifices pour y arriver. Ça, c'est un tableau qui. C'est pas un coup de cœur, mais c'est quelque chose qui est très précieux dans ma vie. Alors, c'est un des rares tableaux que je ne voudrais pas vendre. J'approche 70 ans, bientôt. Et à partir, je pense, à partir de la soixantaine, tu commences à compter les années qui te restent. Personne qui est sûr de rien. J'ai failli y rester, j'ai failli y passer. Puis là, ben, j'essaye de profiter, moi, au maximum de chaque moment que j'ai pour faire ce que j'aime. Puis ce que j'aime, ben, c'est faire la peinture, c'est me promener, aller découvrir la nature, des nouveaux endroits, faire des croquis, puis après ça, venir m'installer dans mon atelier puis travailler. Ça, c'est la question, pourquoi un artiste devient-il célèbre après sa mort? J'écris souvent des messages sur les réseaux sociaux, moi, qui disent « N'attendez pas qu'un artiste meure pour acheter une de ses œuvres d'art. Elle va vous coûter beaucoup plus cher après sa mort et ça ne l'aidera pas à manger et à payer ses factures. » Okay, c'est ça qui est dommage un peu. Tu sais, il y a des grands artistes qui sont reconnus plusieurs dizaines, voire centaines d'années après leur décès. Alors que de leur vivant, ces gens-là ont toujours vécu sous le seuil de la pauvreté. Le revenu moyen d'un artiste professionnel au Canada est inférieur à 10 000 $ par année, là. Tu vas pas loin avec ça, là. J'aimerais ça, hein, qu'on me reconnaisse davantage avant la fin de ma vie. Mais ça ne changera rien à ce que je fais. Peut-être que mes héritiers en bénéficieront. Je leur souhaite de tout cœur. D'ailleurs, mes enfants ont pour la plupart des grands talents artistiques, mes petits-enfants aussi. Puis ça, pour moi, c'est le plus bel héritage que je peux leur laisser.